APES, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec la team Dommage de pousser. J'ai passé les persos en mode plus de rock, c'est à dire que j'ai mis des familiers rock, j'ai mis un peu plus de trophées rock, du coup j'ai moins de res. Mais ça va, encore les res reste respectable, on va dire. J'ai moins de res, mais on a plus de rocks logiquement. Et un mec qui est en Tophus d'éveilleur en face, bah putain. Et du coup en face ils ont, ça tombe bien parce qu'ils ont une compo un peu du même style que moi, c'est-à-dire ils ont que des mecs qui tapent quoi. Ils ont 3 éraudeurs, donc voilà. Yop, SRAM et 4, je vois vraiment les classes clichés du Rox. Donc c'est cool, c'est cool. Hop là, petite coco en crit dans le vide. C'est vrai qu'ils ont par exemple, ils ont pas grand chose pour éviter une colère de Yop, à part chance des K-flip et les invisibilités, c'est pas énorme. Et du coup, ouais, on va se taper cette petite team là, je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va être assez cool, il n'y a pas de classe relou de type Feika, Enu, voilà, toutes les classes un peu chiantes là, c'est vraiment la pire classe à jouer là, ça serait plutôt, enfin, le mec qui sera le plus chance à être le SRA, mais bon, ça me dérange même pas vraiment, c'est pas grave, faut bien qu'il y ait des classes un peu comme ça, de temps en temps. Alors il met un piège de masse, piège, et vu qu'ils ont pas de soin, le mec s'est peut-être dit, je vais mettre un Dofus des Veilleurs, ce qui n'est pas une bonne idée, faites pas ça chez vous. Ouais, le mec a Dococo, Tutu, Veilleur, donc putain, il dirait qu'il a 30 000 places dans ses trophées, le gars. Alors, il met, excuse-moi, j'ai la petite voix qui part en couille, il a mis un petit piège d'Imo, mais rien de bien grave. Ça a juste fait des petits dégâts, mais c'est pas très grave. Puis je pense que j'ai joué Tactirel, je sais pas, ouais, je pense que j'ai joué Tactirel, mais bon, franchement, je pourrais même jouer Gardienne. Quoique, non, Gardienne, ils ont beaucoup d'érosion. Je sais pas, je pense que je vais jouer Tactirel. On m'a conseillé Tactirel, mais après, les arguments que j'ai lus n'étaient pas forcément ouf. Parce que on me dit, ouais, t'as pas de placement, alors je suis Tactirel, mais alors des fois, t'as pas besoin de placer. Enfin, genre là, contre eux, je sais que ça va partir en mode tout le monde se tape dans la gueule, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de placement? Ça va peut-être me servir à un moment, ça c'est sûr, mais là. Comme ça, ça va repousser Liop. Même si elle est un peu en avance, pas grave. Hop, peut-être faire armure de sel du coup. Quoique, non, je vais mettre le dos. Non, si je mets le dos, il va faire de la guerre, armure de sel, c'est là. Hop, peut-être une petite, voilà, une petite longue vue. Puis pourquoi pas, une petite harponneuse. Voilà, pas les couilles. Petite harponneuse au cam, la famille, voilà, qui va taper un peu. Voilà, ça repousse un peu. Du coup, j'ai protégé la Tactirel, pas qu'elle se fasse détruire. Au pire, même s'ils tuent la Tactirel, au moins, ils auront tapé sur la Tactirel et pas sur moi, donc c'est mieux que rien. Voilà, il va taper l'harponneuse, mais pas, franchement je m'en fous un peu de cette harponneuse. Faut juste faire attention de ne pas envoyer toutes ces toiles trop vite, parce qu'après on en a besoin pour se détacler, on en a plus. Ça arrive, donc voilà. Au moins il me reste ma gardienne pour l'instant. Et après, bon, les relances de sorts sur les simmers, ça revient assez vite. Donc c'est pas trop non plus un gros souci. Donc là on va se préparer là pour quand ils arrivent, on va aller dépop. J'ai vu le SRAM qui a pas beaucoup de reste par exemple. Il y a moyen de se faire plaisir sur lui quoi. Je vais mettre mon Doppel. Le petit Doppeliop, il est pas ouf, mais bon, avec un petit boost de mage, il va peut-être faire plaisir. Putain, je fais plein de crit, hein, c'est assez ouf ça. Pourtant, j'ai eu qu'une chance sur 3. Bon, petite maîtrise, mais ça sert un peu à rien. On va faire comme ça. Ça va peut-être mettre un peu de temps à se lancer, mais quand même, la plupart des combats, de toute façon, voilà, il faut bien un petit tour de boost. Sauf quand c'est les maps cac, là, ça prend direct bim bim bim. Non, alors en général, il faut un ou deux tours de boost, surtout que là, c'est quand même une très grande map. Et là, c'est bien parce que c'est eux qui viennent vers moi. Et j'ai pas mis l'attaque Tyrell pour coop, de toute façon. J'aurais pu, mais bon, là j'ai plutôt l'utilisé pour repousser des ennemis et puis en isoler de temps en temps, mais... Alors, il me met plein de pièges à la con. Est-ce que je me les prends direct? Oui, il met ses pièges pour que je me les prenne direct dans la gueule. C'est un peu spécial comme gameplay, mais... Pourquoi pas, hop là, on va faire le petit plasta, la petite masse psycho, je pourrais limite faire trans. Je sais pas, on peut peut-être faire trans, ouais. Allez, on va faire trans. Bim, un crit, ça c'est vraiment bien les cris. Les crits sur trans, c'est cool. Et là, vous avez vu que mes persos ils sont en carface, hein, les trucs qui donnent des dopous. Donc j'ai vraiment fait le troll là. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis des carfaces, j'ai mis un compost sur le steam. Je rigole pas, hein, c'est vraiment un compost. Genre vraiment le mec pas opti, mais pff, on s'en fout, on est là pour taper. Pour taper fort. Et là par exemple, je pourrais limite aller marrer. Ah non, je suis un peu loin, mais je. Donc je vais peut-être attendre un tour. Mais là, je serais bien aller marrer le SRA, mais l'éclater. Non, on va peut-être être patient quand même, pas trop se précipiter. Peut-être qu'elle est une fouenne quand même. Hein. Ah non, ça me fait avancer un peu trop. Pas prendre de risques. Pour rien. Là, je vais mettre mon Doppel. Je vais faire le scaphandre. Là, je me prépare bien par contre. Hein. Vraiment, là, j'ai fait toutes les préparations nécessaires. Donc, ça, c'est plutôt cool. Allez, le petit scaphandre. Puis, une longue vue. Oh putain, j'ai une bonne portée. Comment ça se fait? Il y a une roue de PO. Oh, il y a une roue de PO. Alors, il y a la diagonale, elle est assez. Non, on va peut-être pas. Partir si loin que ça, je vais rester là. Allez, Doppel,
Il a le scaphandre, il va bien taper. Oh, il tape fort quand même. Bon, il y a des petites faiblesses en face, mais pour un Doppel de taper 200, c'est pas mal. Hein. Allez, c'est au tour du Yop. Le Yop est en nébuleux, hein, donc attention. Est-ce qu'il va venir ou pas? Parce que lui, il a son haut nébuleux, il a la puissance, il va peut-être se dire... Il y a la coco, faut pas que je l'oublie. Il va peut-être venir, mais je pense pas quand même. Hein. Là, il va faire des épées Diop à mon avis. Voilà, épée Diop, c'est pas très violent, sachant que j'ai mis plein de points de bouclier, c'est vraiment pas gênant du tout. Moi, c'est prochain tour que j'ai la coco. Eh, par contre, c'est chiant si personne avance. Bah, au moins, j'aurai ma tactique réelle pour amener un mec. Hein. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Alors, je pourrais limite faire puissance ce tour-là, mais je pense qu'on va attendre. Faire à double divine. Hein. De toute façon, j'ai rien à taper, j'ai même pas d'invocation à taper, là, il y a vraiment rien. Double divine et une destin, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis moi ça sert à rien que j'avance en soi hein, parce que je vous dis il va y avoir l'attaque Tyrell qui va bientôt arriver donc je vais pas prendre des risques pour pas grand chose, ça sert à rien. Bon il va tuer mon Doppel, c'est pas grave. Et encore il passe tout son tour pour mon Doppel, hein, c'est pas si gênant que ça. Mon Doppel il m'a coûté 6 PA, là il vient de dépenser 8 PA, plus 3, 11 PA pour mon Doppel et il avance. Oh, putain il a pas peur lui hein. Oh, il a pas peur du tout hein. Il va se faire éclater s'il continue comme ça. Du coup... J'aurais bien tenté de faire fougue sur mon Yop là. Ouais, je vais faire un fougue, je pense. Petite fougue. Peut-être faire une petite furia. Je sais que ça va pas booster mon Yop. Hein. C'est pour me booster moi. Vu que ça reste 2 tours. C'est toujours 40 dommages. Vu que de toute façon, j'ai rien à faire avec. Puis on va filer un peu de points de bouclier. Vraiment, là, je fais un peu le tryhard point de bouclier. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, aucun risque de mon côté. Ils viennent pas. Je vous dis, ils viennent pas. Ils viennent pas. Là, je vais éclater le SRAM. Est-ce que j'ai la PO pour faire une fouenne? 1, 2, 3, 2... Oui, normalement j'ai la portée, c'est vraiment pas mal ça. Allez, une petite roulette, dommage poussé, fais-nous rêver là. Allez, le Doppel, ou est-ce qu'il a fait une roulette lui? Pas l'impression qu'il ait fait trop... Oh, mais je joue la roulette gros, c'est pas fun là, allez. Oh, il fait pas de roulette. Allez, le Doppel, roulette Dopu. Oh oui. Wouhou. Roulette Dopu, elle était misée. Putain, j'avais fait le jeu, vous savez, les jeux des Kamas là, on dit la roulette qu'il va avoir et on mise des Kamas. Ça, enfin, je sais pas si vous le faites, mais sur Lily on le faisait, c'est assez marrant. Et là, voilà, j'aurais été milliardaire quoi, hein, parce que j'ai trouvé du premier coup la putain de roulette Dopu. Allez, tu vas tout de suite venir là, Coco. Et là, ça va être cool, fun, fashion. Déjà, les dégâts là, 700 putain de dégâts. Ça va être vraiment cool. Le Yop, il va faire très très mal. Allez, hop. En plus, le Yop. Oh non, non, attends, ça va, c'est pas gênant ça. Non, ça va. Par contre, le Yop là-bas, il va se faire repousser, mais assez loin. Ah, c'est parfait. Hein. Vraiment parfait. Je suis réellement dans un film là. Hein. C'est vraiment nickel. Oh putain, il va prendre tellement cher. Oh, mais il est mort. Hein. Moi, je vous le dis, il est mort. Il va se faire défoncer. En plus, j'ai full boost. Regardez ça. 300 puissance, 65 dommages. 140 dopou. Il manque. Faut juste pas que je bug. Là, je pète un capante. Non, c'est eux qui bug, je crois, en face. Bon, de toute façon, il a fait son tour, donc on s'en fout qu'il est bugué là. Si c'est Liop, il vient de finir son tour. Il a utilisé tous ses PA. J'ai même la coco, mais franchement, les gars, pas besoin de coco. No need coco. C'est le. Oh là là, ça va faire tellement mal. Oh là là là. Précis, attends, on va faire précis. Je vais vous montrer c'est quoi ce bordel. Oh là 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 là. Bim. Putain, j'ai pas le tuer. Putain, pas de crit, j'ai pas le tuer. J'aurais dû faire push, hein, je suis vraiment un connard. Peut-être la flamiche. Allez, ah mais non, j'ai plus de Doppel. Mais quel con. J'aurais pu le tuer 100 000 fois, il n'y a pas moyen de faire du Dopu, non. Putain, il va rejouer un tour en plus juste parce que j'ai fait le débile, quoi. Ça, c'est parce que je sais pas jouer Yop, ça. Bon, il fallait faire Pooch, il serait mort, en gros. Pas grave, c'est ma faute. Mais bon, les dégâts, ils sont présents, alors j'ai même pas fait de crit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 1200 dégâts pour 2 PA. Quand même, c'est pas mal. Alors, 4, il va avoir 8 PM, ça va être dur à trouver, quand même. Hein. Alors, invisible, non, il va pas être... Non, je vais pas pouvoir le trouver, je pense. On va passer sur quelqu'un d'autre. Ou alors j'ai un petit coup de bol et je le trouve, mais non, mais je pourrais pas le trouver tout simplement parce qu'il va reculer. Ouais, point, j'ai fait vraiment le triso parce que si j'avais fait push, je serais mort. Mais là, j'avais. En fait, je me suis dit, il va vraiment mourir. Et ouais, bon, c'est pas grave. Il va rester quoi, 100 points de vie, 160 points de vie. Alors, on va faire filer des PB un peu. Là, je crois qu'il y en a plus trop. Point, voilà, j'ai récupéré ma trans et tout, donc il n'y a pas de problème. J'ai même filé des PB au Doppel, franchement, parce que là, de toute façon, j'ai rien à foutre. Il y a pas une coco par hasard là. Bon, au pire, on s'en fout de sa coco. Moi, ça me fait pas peur. J'ai filé du tacle ici. Hop là. Et puis là, je sais pas. Peut-être qu'une invocation va trouver le SRAM. Au pire, le SRAM, c'est pas grave. Hein, même s'il reste en vie, je m'en fous. Tant pis pour lui. Alors, ça va être au steamer. Là, je vais pouvoir faire du beau jeu aussi. Avec l'attaque tirée, la main de faire du dégât. Oh, roulette PA. Celle-là, je les ai pas mises. Bon, la prochaine roulette, moi, je vais mettre une roulette malus fit. Allez. On va jouer au jeu de la roulette.
Ah, faites ça sur vos serveurs les gars, vous allez avec vos potes ou avec des mecs que vous connaissez pas, mais plutôt des mecs que vous avez confiance quand même, parce que si vous donnent pas les cams après c'est pas drôle. Mais et puis vous dites la roulette, et puis vous prenez un Ekafi, puis lance la roulette, et celui qui trouve en premier la roulette, il gagne les camas. Et j'en connais qui sont devenus, ils se sont fait 100 millions de camas avec ça, mais je déconne pas. Hein. Ah bah roulette, j'ai pas trouvé cette fois-ci, mais celle d'avant j'ai trouvé. Bon, je pense qu'on va mettre le Yop hors map, grand classique. Ouais, je peux faire ça. Et je vais faire une fouenne sur un peu tout le monde, je pense que là. Je réfléchis à un truc. Bon là il y a la fouine, ok. Tac. Faire longue vue là je pense. Peut-être pas ouf. Ouais non c'est pas grave, ça va être bien. Ah merde, le double steamer va bouger par contre. Ah bah non, il est taclé ce con. Bon c'est pas grave, là c'est cool, on a mis deux fouines je crois. Ouais, on a mis même deux fouines donc. Là, il y a moyen que ça tue le SRAM, et je vous déconne pas, si l'attaque tire elle, si le SRAM est dans le coin, il peut se prendre des dopous et c'est possible que ça le tue. Et vu tout ce qui va être poussé, il y a vraiment des chances que ça tue le SRAM par vraiment en. Comme on dit, en. Dommages collatéraux. Regardez déjà le Doppel tape 3. Ah bah merde, enfin, c'est pas cool, par contre, il vient de décaler le Yop de la zone, du coup il va pas se faire pousser. Et du coup je vais me prendre une coco, non? Ouais, c'est pas grave, tant pis. Ouais, du coup je vais me prendre une coco. C'est la vie. Il va me faire un bon coco. Mais je vais pas mourir, enfin, ah si, peut-être je vais mourir, je sais pas. 6 PA, il a pas la puissance. Moi je pense pas que je meurs, mais bon après c'est vrai que je peux pas vraiment le sauver. Mais ça putain, c'est à cause de ce putain de Doppel qui s'est détaclé aussi. Bon je suis pas mort. Où j'en suis là? Parce que... Tac, bon je pense pas que je puisse sauver le steamer. Bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va bourriner. On va finir là quand même, peut-être ça va gêner un max. Hein. Non mais là s'il veut tuer le steamer, il le tue par contre, faut qu'il passe visible je pense. Hein. Ouais, il est obligé de passer visible, ou alors non, il fait un piège de masse, il va dedans. Enfin il met une invoque dedans, c'est le mieux à faire pour lui, il met un piège de masse, il met une invoque dedans pour tuer le steamer. Et s'il fait pas ça, il passe visible, s'il passe visible il meurt. Enfin bref. Ah le Doppel qui a vraiment niqué ma ville hein. Parce qu'il aurait été poussé de 6 cases, ça veut dire qu'il aurait été tout là-haut, il aurait pas pu me caler la coco ou en tout cas pas sur le steamer. Ah bah il est super main le SRAM donc il a peut-être pas réussi à faire le kill. Alors est-ce qu'il va mettre le piège de masse que je vous disais? Ah bah il a plus de PM là hein, donc s'il fait pas le kill, mon steamer reste en vie. Ok, mon steamer reste en vie. pas très bien joué de sa part. Puis surtout que je vais réussir à faire le kill là hein, derrière. Sans trop de problèmes normalement, il y a le kill qui va passer. Voilà, 1100 à la boliche. Bim. Allez, il y a plus layup. Alors, vous avez vu, j'ai mal joué, hein, clairement. Enfin, j'ai fait des conneries tout le long. Enfin, bon, après, non, en fait, j'ai fait une connerie. C'est. J'aurais pu tuer le SRAM avant. Là, enfin, le tour du steamer, là, c'est. C'est pas vraiment une connerie, quoi. J'y suis pour rien si mon Doppel, il est un peu con. S'il détacle, et en plus, il repousse pile poil ici, c'est pas trop ma faute. Mais bon. Vous avez vu, ça tape tellement fort. Là encore, on va l'éclater, les K-flip, là. Ah, il met des réflexes. Bon, faire attention quand même, mon steamer est quasi mort. Hein. Je pense qu'on va tout donner avant de crever. Alors, par contre, il s'est débuff le fouet, je vais devoir le remettre. Et je vais faire un scaphandre. Ouais, on va faire un scaphandre, ça va être magique. Ah, je vais même mettre le scaphandre sur l'attaque tirelle. Alors, je crois que ça c'est parfait. Tu as le scaphandre sur l'attaque tirelle, c'est magique. Ah, bon, oh, tiens, et bah tiens, poteau. On sait où t'es maintenant, Coco. Alors, hop. Alors, scaphandre. Tac. On va relancer le fouet. Alors je peux faire étume, sachant qu'en plus le SRAM est juste derrière. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Allez, on va voir. Voilà, hop, 600 dégâts. Là, on a la tactique, on s'en fout, elle passe. Et là, il va tellement se faire défoncer rien que par la tactique et le Doppel. Ça dépend, après le Doppel est peut-être un peu con. Ouais, non, mais je crois que le Doppel va faire de la merde. Attends. Ouais, il a fait de la merde, comme d'habitude. Deux fois qu'il nique mon tour. la tactique aurait tapé fort. Bon, là, c'est terminé, par contre. Parce que ça n'a pas encore tapé super fort. Bim, on va faire un petit kill libé. Allez, bon c'est pas pour les trolls le kill libé. Oh putain, 640 à la prévision de la libé quand même. C'était pas une connerie. Putain, j'ai failli me tuer mon propre steamer, il avait 10 points de vie. Bon voilà, pour ce colis d'Opou, mais vraiment là j'ai mis du Rox. Enfin voilà, j'ai mis des carfaces, j'ai mis des conneries, des trucs de partout. Enfin, des carfaces, full trophée Rox. Le steamer c'est la même connerie, hein. J'ai mis un putain de compost. Voilà, c'est de la connerie. Et pareil pour le Zobal. Enfin bref, tous les persos en mode Rox. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo.
Peut-être prochaine vidéo, je ferai peut-être une présentation des stuff. Même si c'est pas des stuff de ouf. Enfin voilà, faut me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse. Sinon je continuerai de faire d'autres Coliseum. Après je peux pas vraiment faire de 1v1 parce que voilà, les trois classes là, sauf le steamer, c'est pas vraiment des classes 1v1. Ce sera pas vraiment fun. Donc je pense pas. En tout cas, si je fais du 1v1, ce sera pas avec ces classes, après peut-être avec une autre classe. Mais en ce moment, je joue plus sur l'officiel que sur la bêta en fait. Donc bref. Ça c'est ma life, on s'en fout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un max de likes, ça peut. Bonne soirée, bonne journée. Et pensez à réviser votre physique parce que demain il y a contrôle. Ah bah non, demain on est le week-end, lol.